Bonjour et bienvenue à Mon Crochet et Moi, épisode 40. Je m'appelle Annette Pétavy et vous me trouvez sur le web à mon site www.annettepetavy.com. Ça s'écrit A-N-N-E-T-E-P-E-T-A-V-Y. Vous pouvez me joindre par mail à annette@annettepetavy.com et vous trouverez des liens au sujet évoqué dans cet épisode sur mon blog qui se trouve aussi à annettepetavy.com. Je suis aussi sur Facebook avec mon compte personnel à mon nom et ma page Annette Pétavy Design. Et si vous êtes sur Instagram, j'y suis aussi. Avant de nous lancer dans le contenu du podcast proprement dit, je voudrais juste vous signaler que je mets en ligne une version illustrée de ce podcast sur YouTube. Il ne s'agit donc pas réellement d'un podcast vidéo, mais vous pouvez vous y rendre si vous souhaitez voir défiler les photos de ce dont je parle tout en m'écoutant. Je reviendrai un peu plus tard aux raisons de cette nouvelle proposition, mais je voulais vous en parler tout de suite pour celles et ceux qui souhaiteraient un peu plus de visuel. Et maintenant, on va revenir sur le sujet du dernier bulletin d'information, les formes de châles triangulaires au crochet. Alors, c'est un fait que j'avais l'idée dans ma tête depuis longtemps de tester et montrer des formes de base pour les châles au crochet. L'équivalent au tricot existe dans plusieurs versions sur le web, en tout cas en anglais. Il s'agit donc de recettes ou formules pour obtenir une certaine forme de châle en jersey ou point mousse. Des triangles aux pointes allongées, des demi-cercles et tout plein de variations encore. Et après, on peut bien sûr remplir cette forme avec le point de son choix, en modifiant légèrement parfois. Alors, la plupart du temps, ces châles sont tricotés du haut vers le bas et le plus souvent selon la méthode qui consiste à commencer avec peu de mailles et ensuite augmenter pour réaliser le châle. Et dans les formules dont je parle, c'est indiqué donc combien d'augmentations il faut faire sur le rang, où on les place, avec quelle fréquence on les répète. Donc tous les deux rangs, tous les rangs, tous les quatre rangs, etc. Pour moi, quelque part derrière tout ça, même si c'est parfois bien enfoui, il y a le nombre et le rythme d'augmentation qu'il faut faire pour créer un cercle. Alors, je pense pas que ce soit un hasard que ces informations sur les formes de châle soient plus faciles à obtenir pour le tricot que pour le crochet. En effet, au tricot, les proportions de chaque maille, donc sa largeur par rapport à son hauteur, sont à peu près stables. Certes, certains points comme les torsades ont tendance à rétrécir le travail dans sa largeur et d'autres comme les points dentelles peuvent l'élargir, mais ça reste quand même des variations marginales. Et au crochet, par contre, les proportions des mailles sont très variables. Pensez à un rang de mailles serrées, d'accord, vous voyez bien. Et ensuite, dans votre tête, sur le rang suivant, vous ajoutez donc un rang de double bride. Bon, si vous faites ça en vrai, en tout cas, vous allez voir que les doubles brides sont un poil plus larges que les mailles serrées, mais elles sont surtout beaucoup, beaucoup plus hautes. Alors, si maintenant on imagine qu'on ne travaille plus en rang, mais en tour, donc en rond, il suffit de faire un tout petit essai pour se rendre compte que le nombre d'augmentations à réaliser sur chaque tour pour obtenir un cercle plat n'est pas le même du tout.
Si on travaille en double bride, le périmètre du cercle augmente beaucoup plus d'un tour à l'autre que si on travaille en maille serrée. Alors, quand le cercle grandit plus vite, il faut faire plus d'augmentation sur chaque tour. Parce que pour avoir un rond plat en maille serrée, on augmente de 6 mailles sur chaque tour, et le même nombre, en travaillant double bride, donc le nombre d'augmentations par tour, c'est de 24. Donc, de 6 à 24. Donc, on peut ajouter à ça le fait que la plupart des points crochets combinent différents types de mailles, mélangées dans des proportions variables. Et on comprend assez vite que c'est pas si facile d'en sortir une formule universelle pour obtenir une forme spécifique. Mais faut-il pour autant abandonner l'idée? Moi, je dis non. Parce que en décidant sur un point à utiliser pour toutes les formes, on peut quand même arriver à faire quelque chose qui pourra servir de base pour des expérimentations, ou qui peut même servir tel quel hein, pour faire des châles simples et efficaces. Et d'ailleurs, si on fait ce choix-là, on peut rendre ces châles simples et efficaces un peu plus palpitants, par exemple simplement en jouant sur les couleurs. Une petite idée peut être de réaliser un châle de ce type avec un lot de fil en offre spéciale dans ma boutique, par exemple, puisque ces lots combinent souvent plusieurs couleurs. J'ai donc décidé d'utiliser un point spécifique. Je me suis dit que la bride est probablement la maille la plus courante dans le crochet et que le point simple avec les brides qui a le plus d'air incorporé et donc un bon tombé, bah c'est probablement le filet. Une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Donc on répète ça jusqu'à la fin du rang en terminant avec une bride. Et au rang suivant, une bride dans chaque bride, en séparant toujours ces brides avec une maille en l'air à chaque fois. On peut évidemment jouer avec ce point en remplissant les cases, un peu comme on fait avec le point de croix, à la manière du crochet filet traditionnel. Mais il me semble aussi que ce point de base a pas mal de choses en commun avec beaucoup de points plus complexes, donc il peut être bien utile en tant que point pour mes formes de base. Ensuite, il s'agissait sur tout simplement d'utiliser le bon nombre d'augmentations et à les incorporer dans le point de manière judicieuse, ce qui ne pose pas trop de problèmes hein, dans un point simple comme celui-ci. J'ai fait un choix sur exactement comment faire ces augmentations et pile où les placer, mais ça, c'est bien sûr quelque chose qui est aussi sujet à variation. On peut jouer avec comme on veut. Alors maintenant, je ne vais pas essayer d'expliquer le procédé exact ici, parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens, surtout si vous écoutez le podcast en audio uniquement. C'est beaucoup mieux de vous référer au bulletin lui-même pour voir en explication écrite et en diagramme comment crocheter des triangles du haut vers le bas, un triangle classique et un triangle à pointe allongée, et un triangle dans l'autre sens, c'est-à-dire du bas vers le haut. Je suis sûre que sur ces bases, vous allez pouvoir trouver plein de variations et de nouvelles idées. Et maintenant, et moi, depuis la dernière fois, élargissons donc notre horizon au-delà du bulletin et parlons des autres choses que j'ai fait depuis la dernière fois. D'abord, il y a bien sûr eu des ajouts dans ma boutique. D'abord, le fil dentelle arachnéen, aussi appelé cobweb. Il est à 1500 mètres les 100 grammes, donc très fin. Et malgré cela, il y a suffisamment de tricoteuses qui souhaitent l'utiliser, soit en simple, soit en double, hein, parce qu'il était en rupture de stock depuis un moment. Mais maintenant, j'ai de nouveau rempli le rayon, avec comme avant les crus et le gris clair qui est légèrement nuancé. Et j'ai aussi ajouté du rose. C'est un rose bubblegum très lumineux qui mettra en valeur les points simples comme les plus compliqués. J'ai aussi publié la traduction d'un tout nouveau modèle d'Alana Dacos que j'ai appelé en français torsade de feuilles.
Et cette traduction est bien sûr faite en collaboration avec Nathalie Minson, parce que c'est elle qui sait vraiment comment on écrit du tricot en français. J'étais particulièrement contente de cette collaboration, non seulement avec Nathalie, mais avec Alana, puisqu'on a pu sortir la version anglaise et la version française quasiment en même temps, ce qui est bien sympa. Alors, torsade de feuilles, c'est un très joli pull avec une forme assez épurée, mais avec une belle torsade qui encadre des feuilles sur le milieu devant. Et moi, je vous propose de réaliser ce modèle dans le merinos moyen, qui met particulièrement bien en valeur les points en relief. Vous pouvez vous rendre sur le blog pour voir le rendu de la torsade dans ce fil. Une autre créatrice avec qui je collabore depuis un bon moment déjà, c'est Kirsten Kapoor. Vous avez vu apparaître récemment dans la boutique son châle Montrachet, en forme de demi-lune. Le châle d'origine est tricoté dans un fil bien approprié pour l'hiver, qui peut être remplacé par le mérinos fin, par exemple. Mais comme j'ai à peu près en même temps rentré de nouveaux coloris du fil Linia dans la boutique, j'ai testé le point de Montrachet dans un petit échantillon avec ce fil. Vous pouvez là aussi aller sur le blog pour voir le résultat. Moi, je trouve que c'est très réussi et c'est une belle idée pour l'été. Alors, le fil Linia est composé de 3 brins de lin et 1 brin de coton. Et comme les brins varient un peu en couleur, les coloris sont joliment nuancés. Maintenant, les nouvelles couleurs ajoutées pour la saison, c'est un turquoise et un vert que je crois s'appelle citron vert. Mais donc c'est un vert acide et bien pétant. Et j'ai utilisé les deux en combinaison pour mon test de mon rachet. Alors, je conçois qu'on peut trouver que ça pique un peu trop les yeux. Mais il y a aussi des jolis neutres dans ce fil. Et pour ma part, le gris de lin associé au turquoise, ça me semble être une très bonne idée. Bon, il y a bien sûr aussi plein d'autres combinaisons possibles. Alors, tout récemment, avant la sortie de ce podcast, j'ai eu le bonheur de pouvoir vous proposer le nouveau livre de Carrie Bostick Hoge. Je crois qu'on dit comme ça. Le livre, en tout cas, je suis assez certaine, qui s'appelle Madder Anthology 2 Simple Pleasures. Donc, le sous-titre veut dire des plaisirs simples. Et effectivement, il s'agit d'une collection de vêtements aux formes épurées. Il y a des pulls, des vestes et des accessoires. Et franchement, c'est vraiment le genre de vêtements qu'on aime avoir dans sa garde-robe pour porter encore et encore. C'est des vrais classiques dans lesquels il vaut vraiment le coup d'investir son temps de tricot. Pour mieux voir ce qu'il en est, j'ai fait une petite série de billets sur le blog où je vous présente une sélection de modèles du livre, parce qu'il y en a encore plus dans le livre lui-même. Vous trouvez le détail de tout sur la page produit dans la boutique. Et les billets du blog ont aussi servi à vous proposer 10 fils qui peuvent être utilisés pour les réaliser. Donc je précise que ce livre, qui est donc un livre américain publié en auto-édition par Carrie, donc il est entièrement en anglais avec les mesures qui sont données en pouces et yards. Et pour celles et ceux qui ne se sentent pas de tricoter dans la langue de Shakespeare, là encore, Nathalie Minson a travaillé avec moi et elle vous a concocté un livret de traduction française qui est disponible en option. Vous pouvez choisir ça sur la page de la produit de la boutique. Ce livret est envoyé en PDF par mail et comme ça, vous pouvez imprimer à volonté les pages qui vous intéressent. Alors parlons un peu des projets en cours. Si vous vous rappelez, la dernière fois, je vous avais annoncé fièrement que finalement, la nouvelle paire de chaussettes était bien sur les rails et que je savais maintenant que les aiguilles 2,25 mm, c'était les aiguilles parfaites pour moi quand je tricote des chaussettes. Eh bien, pas du tout. J'avais bien avancé ma première chaussette,
matin. J'ai réalisé le talon, j'ai tout documenté sur Instagram et Facebook tellement j'étais contente. Et là, je me suis dit que peut-être ça serait une bonne idée de les essayer. Et j'ai essayé, c'est le cas de le dire. J'ai tenté, mais c'était impossible parce que je pouvais pas les enfiler. Alors, aucune chance avec mes petits pieds plutôt solides. Je peux pas les monter au-dessus du talon. Impossible. C'est bien l'endroit où ça peut coincer pour les chaussettes, hein, parce que c'est la partie la plus large. Et là, bah oui, ça coinçait vraiment. Donc j'étais là dans mon fauteuil devant ma télé en me disant quelle chance, hein. J'ai une fille qui a des pieds beaucoup plus petits que les miens. Donc je lui ai envoyé un petit SMS. Elle n'était pas à la maison évidemment, c'est une ado, hein. Et je lui ai annoncé qu'elle allait avoir une nouvelle paire de chaussettes et elle était ravie. Bon, et elle est rentrée ensuite à la maison, pas exprès pour les chaussettes, mais elle est quand même rentrée et je lui ai fait essayer. Alors elle a réussi à enfiler la chaussette, mais avec difficulté quand même, hein. C'était pas vraiment confortable comme exercice. Et finalement, j'ai réalisé que j'étais probablement en train de tricoter des chaussettes d'enfant, voire de tout petit enfant, sauf que pour un enfant, elles seraient vraiment trop hautes. Et que j'ai personne dans mon entourage avec des pieds minuscules et de longs mollets. Pas à ma connaissance, en tout cas. Bon, là, on parle d'un projet que j'avais déjà commencé et recommencé, on va dire, 4 ou 5 fois. Donc, j'ai pris la décision de ne rien décider tout de suite. J'ai rangé la demi-chaussette dans un sac et je me suis dit qu'il fallait réfléchir. Il fallait prendre du recul, mettre un peu de distance entre moi et la chaussette trop petite. Donc, je fais ça correctement parce que je suis allée jusqu'en Suède pour donc mettre la distance entre moi et mes chaussettes. Donc, ça fait un peu plus de 2000 km quand même, hein. Et là-bas, avec le recul, j'ai décidé que il valait mieux défaire et recommencer une 6e ou 7e fois plutôt que de passer encore de nombreuses heures à tricoter des chaussettes qui n'iraient à personne. Voilà, la décision est donc prise. La chaussette attend encore dans son sac. Et moi, de mon côté, j'attends un jour de courage et de motivation pour la démonter. Ce jour viendra. Je ne sais pas encore exactement quand. Mais bon, je me dis que comme je prévois de partir bientôt une petite semaine avec mes enfants, une paire de chaussettes, c'est quand même un excellent projet de vacances. À suivre. Donc, depuis la dernière fois, je suis partie en Suède. J'ai pris l'avion. Et si vous me suivez depuis plus d'un an, vous savez que je n'aime pas du tout prendre l'avion. Il me faut à tout prix un calmant, sous forme de projet de crochet et de tricot pour que je puisse tenir le coup. Et cette fois-ci, j'ai opté pour le crochet. Et une version en mini-mochi, la capelette, un petit modèle que j'ai publié l'année dernière. Dans la gamme des mini-mochis, j'ai choisi le coloris Sea View et je suis franchement ravie du rendu. Entre l'aller et le retour, j'ai presque terminé. Il me faut encore quelques rangs avant que je puisse vous montrer le projet fini. Mais comme j'allais rester 10 jours en Suède, une petite capelette, ça ne suffisait pas. J'ai donc décidé d'amener avec moi un vrai projet de vacances, un projet totalement non professionnel. Ça faisait pas longtemps que j'avais assisté aux premières portes ouvertes des Vilaines. Donc, les Vilaines, ce sont ces fabuleux fils teints par la magicienne Marion. Et j'avais dans ma collection des chevaux un orange superbe nommé Capucine dans les cheveux et un gris très beau appelé Oublier l'ardoise à la maison. Pour le modèle, ça faisait un moment que je voulais tricoter quelque chose de Helen Stewart, de Curious Collective. Et en feuilletant virtuellement ma bibliothèque Ravelry, j'ai réalisé que j'avais dans mon stock de fiches 100 châles Curious Collective 2014.
C'est un châle bicolore pour lequel j'avais des quantités suffisantes avec mes deux échevaux de vilaine. C'était le destin, je ne pouvais pas faire autrement que de me lancer. Comme j'ai passé l'essentiel de mes 10 jours en Suède avec mes parents, qui ne sont plus jeunes du tout, j'ai vécu à un rythme de personnes âgées. Et ça me convenait parfaitement, car j'avais aucun problème pour caser des pauses tricot tout au long de la journée. Aussi, j'ai découvert quelque chose d'absolument formidable avec ce modèle, la carotte de la tricoteuse. Helen Stewart indique en parallèle avec les instructions du châle la progression en forme de pourcentage. On sait donc par exemple qu'au rang 41, on a tricoté 10% du châle. Au rang 65, 25% du total. Au rang 92, on est à 50%, etc., etc. Il m'a bien sûr pas fallu longtemps pour réaliser que si je tricotais 10% du total des mailles tous les jours, mes 10 jours de séjour suédois suffiraient pour terminer le châle. Je suis peut-être pas un cador en maths, mais là, j'y arrive quand même. Alors, rien de tel qu'un objectif journalier pour me faire danser mes aiguilles. Je peux bien sûr comprendre que tout le monde n'aime pas ça, mais pour moi, je suis quelqu'un qui est stimulé par les objectifs. Et bon, allez, avouons-le, un poil compétitif parfois. Alors, pour moi, c'était très ludique et très encourageant. Il fallait bien sûr que je fasse mieux que l'objectif, et j'ai terminé avec quelques jours d'avance, très contente de moi-même et du châle. Heureusement, j'avais prévu encore un projet qui est en ce moment sur mes aiguilles. Je tricote du coton bio en double en pensant à des petits bébés. À bientôt pour le résultat. Bon, j'ai aussi démarré autre chose. Pas bien, hein? Je sais. Hein? Quand on a des projets pas encore finis, en monter d'autres, pas bien. Mais là, j'étais pas maître du calendrier. Parce qu'il s'agit du châle mystère 2015 de Kirsten Kapoor. Encore elle. Ça a démarré au 1er juin, j'en suis à la troisième étape que je viens de finir. J'attaque la quatrième et franchement, je me régale. Chaque nouvelle étape apparaît le lundi et c'est encore une très bonne raison d'aimer les lundis. Bon, après tout ce tricot, il va falloir donner la priorité au crochet pour un bon moment, je crois. Mon voyage en Suède n'était tout de même pas entièrement consacré à mes parents et des pauses tricot, parce que j'ai aussi une vie sociale pendant ce séjour. Et bien sûr, cette vie sociale est centrée sur le tricot ou le crochet, je vois pas comment ça pourrait être autrement. D'abord, je me suis rendue à Västerås, une ville moyenne à peu près 1h30 de notre maison de campagne. J'ai une amie qui habite Västerås et j'essaie de la rencontrer à chaque fois que je me rends en Suède. Et cette fois-ci, je lui avais demandé « Est-ce qu'on peut se voir un lundi ?» Alors, bien sûr, ce n'était pas une demande totalement innocente, parce que je savais que le lundi soir, j'allais pouvoir assister au tricoté des Västerås Knitters. C'est un groupe de tricoteuses que j'ai découvert par hasard l'année dernière en me trouvant simplement avec mon mari et mes enfants dans le café où elles se réunissent. Et c'était un lundi soir, donc elles étaient là. Et maintenant, donc, je suis retournée les voir un autre lundi. J'ai vraiment adoré ce moment. J'étais entourée de tricoteuses dont j'avais rencontré quelques-unes pendant environ 3-4 minutes, 9 mois plus tôt. Mais après quelques instants, j'avais l'impression d'être en terre inconnue avec une bande de copines. C'est quand même fou, il y a tant de tricoteuses chaleureuses et drôles, quel que soit le pays où on se trouve. J'ai vraiment hâte d'y retourner et j'ai déjà prévenu mon amie à Västerås qu'on va désormais se rencontrer le lundi. J'ai aussi profité des quelques jours passés au domicile de mes parents, donc plus à la maison de campagne. Donc leur domicile se trouve dans la banlieue de Stockholm et là j'ai rencontré Eva qui a un magasin en fait tout près de chez eux. Je vous donne le nom du magasin même si vous allez peut-être pas tout de suite tilter ou ça va pas vous dire grand chose. Il s'appelle Stärket Handwerk och Design. Eva est passionnée de tricot et de crochet.
Elle a une boutique en ligne depuis longtemps et pendant une période, elle donnait beaucoup de cours au sujet de techniques spécifiques de crochet, comme le crochet tunisien ou la dentelle à la fourche. On a eu des échanges en ligne sur des points de terminologie et autres et on a mis sur Facebook depuis longtemps. Et c'était franchement génial de rencontrer Eva en vrai et de pouvoir apprécier ses talents de teinturière sans écran interposé. Parce qu'Eva teint des fils en recherchant des grosseurs et des mélanges de matières qui sortent de l'ordinaire. Inutile de vous dire que j'ai vraiment pas résisté longtemps à l'appel des fils d'Eva. J'ai ramené dans ma valise trois beaux écheveaux, un plutôt destiné à des chaussettes rouges, et deux écheveaux de fil dentelle avec un métrage de 800 mètres par écheveau de 100 grammes dans des bleus et verts. Je suis donc rentrée à la maison et j'ai choisi un moment très stratégique, juste avant la fête des mères. Mon cadeau cette année combinait les avantages d'être d'une part absolument superbe et d'autre part ne pas avoir posé trop de problèmes au restant de la famille pour trouver. Parce que lors du salon Talent 2015 à Strasbourg au mois d'avril, j'ai totalement flashé sur les bracelets brodés d'Aquaforte Broderie Perlée, une brodeuse d'art strasbourgeoise qui met vraiment l'art dans la broderie d'art et dont les motifs stylisés au contemporain m'ont vraiment, mais alors vraiment, tapé à l'œil. J'étais toute surexcitée, j'ai envoyé un SMS à mon mari pour lui proposer de le délivrer de la tâche lourde, de me trouver un cadeau pour la fête des mères. Oui, c'est lui qui en est chargé, je ne veux pas sa maman, mais bon, quand même. Et il a volontiers accepté. Bon, bien sûr, la seule raison que c'était spécifiquement un cadeau de la fête des mamans, c'était que c'était l'occasion la plus proche où je savais qu'il allait m'offrir quelque chose. Mon anniversaire était passé, Noël, c'était quand même loin. J'ai opté pour un bracelet qu'appelait Punctum, en référence à leur Roland Barthes, parce que ses formes et ses couleurs m'ont beaucoup beaucoup plu. Alors, de retour après la Suède, mon mari avait emballé le petit bracelet et je fais comme si je ne l'avais jamais vu avant. J'étais ravie de le revoir, je l'ai déballé et j'ai posé mon bracelet sur le buffet dans le salon où trônaient déjà mes écheveaux suédois. Et après, je me suis dit, tiens, tiens, j'ai carrément posé le bracelet sur les écheveaux et l'accord est parfait. Le fil, enfin les fils et le bracelet vont parfaitement ensemble. Comme quoi, il y a une logique dans nos choix, même quand elle n'est pas apparente tout de suite. Puis plus récemment, vous n'êtes pas sans le savoir, il y a eu cette journée d'importance planétaire, d'un retentissement international, à savoir la journée mondiale du tricot, désormais une institution. Et à Lyon, c'était Olivia du Souk qui avait organisé l'événement de manière impeccable et le fil dans tous ses états a, pour un week-end, envahi la boutique des Arpenteuses et Incubar, le magasin en face. Tous deux situés rue Romarin, sur les pentes de la Croix-Rousse, juste au-dessus de la place de Terreau à Lyon. Moi, j'y suis passée le samedi après-midi et j'ai vraiment pas regretté. Comme vous le savez peut-être déjà, depuis quelque temps, je m'essayais au filage au fuseau, sans vraiment arriver à progresser au-delà du fil bosselé de l'archi-débutante. Et à la Journée mondiale du tricot à Lyon, Muriel du Jardin des Fibres animait un atelier de filage au fuseau. Moi, je me suis un peu incrustée, je dois avouer, j'étais pas inscrite d'avance. Et en une petite heure, j'ai réalisé des progrès absolument spectaculaires. Muriel m'a fait essayer un fuseau plus lourd que celui que j'avais déjà, qui tournait plus vite et plus longtemps, même s'il faudra encore que je travaille sur ma technique de mise en rotation. Et surtout, elle m'a fait changer le positionnement de mes mains. J'ai mis la main droite au-dessus de la main gauche plutôt que l'inverse, et subitement tout a changé.
Complètement ébahie, j'ai vu un fil fin et régulier sortir de mes mains. Comme quoi, les vidéos YouTube et les livres, c'est vraiment chouette, mais ça ne remplacera jamais complètement une séance d'apprentissage en personne avec quelqu'un qui sait transmettre son savoir. Voilà, comme je vous l'ai dit, je fais une version illustrée de cet épisode du podcast. Et cette version illustrée se trouve sur ma chaîne YouTube. Et on peut se demander de manière vraiment légitime pourquoi, d'où vient cette idée farfelue. Pour être tout à fait sincère, moi je suis une adepte inconditionnelle des podcasts audio. Je les écoute depuis des années, ils m'accompagnent autant pendant que je tricote ou crochette que quand je m'occupe des logistiques de la maison et de la famille, donc des corvées indispensables comme la vaisselle ou les lessives. Les podcasts vidéo, je savais bien que ça existait, mais j'avoue que j'accroche nettement moins, peut-être parce qu'il faut rester en place pour les suivre. J'ai regardé une ou deux fois Fluffy Fibers, le podcast en anglais d'Isabelle, qui existe aussi en version audio. Et parfois, quand je fais de la couture, j'installe mon ordinateur à côté de ma machine à coudre et je suis plus ou moins en pointillé à un podcast vidéo. Mais il y a peu de temps, je suis tombée sur le podcast vidéo d'Aglaé Laser par l'intermédiaire de Facebook. Aglaé tient son blog Mon Tricot Côtier à aglaé.eclablog.com. Et j'avais déjà eu des échanges très agréables avec elle. Donc, quand j'ai vu qu'elle avait sorti un podcast en vidéo, j'ai décidé qu'il fallait consacrer une séance tricot à le visionner. Bon, ça m'a beaucoup plu parce que j'ai retrouvé la personne charmante et pleine d'humour que j'avais déjà pressentie à travers nos échanges écrits. Et d'ailleurs, depuis, Aglaé a sorti un deuxième épisode en collaboration avec ses enfants ados qui m'a beaucoup fait rire. Franchement, allez-y, ça mérite bien un peu de votre temps. Et en plus, c'est tout à fait possible de regarder et tricoter en même temps si on se concentre un peu. Et en plus de son propre podcast, Aglaé tient sur son blog une liste d'autres podcasts vidéo. Et franchement, c'est une mine d'informations. J'en ai testé quelques-uns et j'apprécie tout particulièrement la foule de renseignements qu'on peut y trouver. Beaucoup de ces podcasteuses sont multitalents. Il ne s'agit donc pas seulement de tricot de crochet, mais aussi d'autres techniques, comme par exemple la couture. Comme je couds un petit peu de temps en temps, j'apprécie tout particulièrement toutes les informations que j'y trouve sur les différentes marques indépendantes de patrons de couture. Et il faut reconnaître quand même que le côté visuel de la chose, c'est un vrai plus par rapport à l'audio. Donc, est-ce que moi je veux faire un podcast vidéo? Non, parce qu'il il ne verrait jamais le jour en fait. Déjà en temps normal, pour faire le podcast audio, c'est un peu le parcours de combattant. Il faut trouver le temps pour le préparer, le temps pour l'enregistrer et le temps pour tout monter. Pour un podcast vidéo, il faudrait en plus réunir tous les projets dont je parle, trouver un coin à peu près bien rangé dans la maison et un moment où je suis moi-même à peu près présentable. Je ne dis pas que c'est totalement impossible, mais la chose devient d'un coup ultra compliquée. Pour profiter du côté visuel de la vidéo et en même temps pouvoir enregistrer même les cheveux en bataille, j'ai donc pondu l'idée du podcast illustré. Si vous le regardez sur YouTube et que vous aimez, c'est chouette si vous cliquez sur le pouce sous la vidéo pour me le faire savoir. Si vous aimez et vous avez des suggestions pour que ce soit encore mieux, contactez-moi sans hésiter. Et si vous trouvez ça vraiment nul, eh bien, c'est peut-être pas indispensable de me le faire savoir. Je saurai interpréter votre silence. Alors, avant de se quitter, quelques mots sur les choses à venir.
Je serai absente pour quelques jours, fin juin, début juillet. Donc, si vous écoutez ce podcast au moment de sa sortie et que vous avez un besoin très urgent de fil à tricoter ou de livres, je vous propose de vous rendre sur mon blog pour regarder les détails. Je serai de retour derrière mon ordinateur et dans mon stock de laine dès le 6 juillet. Ensuite, au mois de juillet, tout se passera à peu près comme d'habitude. En plus des activités habituelles, je pense faire une petite colo du tricot à laquelle tout le monde sera convié. J'ai pas encore décidé sur tous les détails, mais a priori, il y aura des tutos et des prix à gagner si vous m'envoyez les photos de vos participations. Alors, c'est rien de très ambitieux, mais un petit quelque chose pour profiter des beaux jours et s'amuser tout en se donnant des idées entre nous et apprendre deux ou trois petites choses. La colo sera ouverte jusqu'à fin août, donc si vous souhaitez participer, ça devrait être possible de trouver un moment pour le faire. Il y aura plus de détails sur mon blog, bien sûr. Pour ma part, au mois d'août, je serai en Suède et donc les expéditions seront suspendues. C'est un peu la fermeture annuelle. Et il n'y aura pour le mois d'août ni podcast ni bulletin. Mais je lirai toujours mes mails, bien sûr, même si c'est un peu moins souvent. Et bien sûr, la colo sera ouverte. Voilà le programme de l'été. Après la rentrée, je serai à Chadrec, tout près du Puy-en-Velay, au mois d'octobre, et à la Tour de Salvagny, à côté de Lyon, au mois de novembre. Mais ça, c'est dans longtemps, hein. D'ici là, vous faites bien sûr ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas de profiter de l'été et de faire de belles choses. Aujourd'hui, nous écoutons des extraits de l'album Aurora of the Northern Harp par Rye Frankfurter, c'est ce que je pense, la prononciation de son nom, désolée si c'est faux. Dans cet album, c'est une collection de musique scandinave traditionnelle. C'est joué par un musicien californien qui pratique de nombreux instruments, dont la harpe celtique. Alors, comment résister à ce joyeux mélange que j'ai trouvé, bien sûr, sur magnatune.com. Pour trouver des liens au sujet évoqué dans cet épisode, je vous donne rendez-vous sur mon blog à www.annettepetavi.com/blog. À bientôt. Au revoir.